Donc on poursuit notre étude dans le livre des Actes sur les origines du christianisme, les débuts de l'Église, et on est arrivé donc à Actes chapitre 8, verset 26. On va voir la suite des aventures de Philippe, j'ai envie de dire. On a laissé Philippe au verset 25 à Samarie et on va voir la suite maintenant. Donc Actes 8, verset 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer, et il s'en retournait assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera? Car sa vie est supprimée de la terre. » Un passage d'Ésaïe qui a été prophétisé des centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que, joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Voilà, jusqu'ici, cette lecture, et je vous invite à la prière. Prions ensemble. Éternel, merci pour cette parole, et nous te prions que tu nous guides pour la comprendre ce matin, que tu ouvre, que tu illumines les yeux de notre cœur et que tu révèles la beauté de Christ et de son sacrifice pour nous et que tu nous permettes de nous en émerveiller une nouvelle fois. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vous connaissez tous Google Earth hein, sur Internet, je suis sûr, hein, ce site où on a ces images satellites. On peut zoomer sur une région pour voir sa maison ou dézoomer pour voir toute une région. Si on était sur Google Earth en lisant les Actes, on verrait l'angle progressivement s'agrandir. Alors, au début, le zoom était sur Jérusalem. Et puis, maintenant, on dézoome petit à petit pour voir l'évangile se répandre en Judée, en Samarie, c'était il y a 2 semaines. Et donc maintenant, plus loin encore, en suivant Philippe. Il y a 2 semaines, on l'a vu en Samarie, justement. Prêcher à des foules, en public, des masses de personnes se sont converties. Seulement, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'occasion de voir beaucoup et de vivre particulièrement en France, des conversions de masse comme ça. Et c'est pourquoi je pense qu'il sera un peu plus facile d'établir des liens entre l'histoire de Philippe et notre histoire et notre quotidien dans ce deuxième épisode où Philippe fait une rencontre personnelle cette fois. 3 rencontres. Personnel en fait. Une rencontre déconcertante,
je trouve, avec un ange du Seigneur au verset 26, une rencontre décisive avec cet eunuque éthiopien, et puis une rencontre divine avec l'Esprit du Seigneur dans les derniers versets. Voilà trois rencontres. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par cette histoire? Que pouvons-nous apprendre pour nous guider dans nos rencontres personnelles avec ceux que Dieu place sur notre chemin? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble maintenant, donc en considérant ces trois rencontres de Philippe. Premièrement, une rencontre déconcertante avec un ange du Seigneur. Pourquoi est-ce qu'elle est déconcertante? Eh bien à cause de ce que l'ange lui dit. Regardez encore une fois verset 26. L'ange lui dit, lève-toi, Philippe, et va du côté du midi. Philippe était vraisemblablement toujours à Samarie, c'est-à-dire au nord de Jérusalem, donc il lui dit, va au sud, sur le chemin de Gaza, celui qui est désert. Alors, est-ce que vous imaginez la réaction de Philippe? Il y avait au moins deux chemins qui menaient de Jérusalem à Gaza, peut-être plus, mais au moins deux, et l'ange lui dit, tu sais quoi, Philippe, tu vas aller sur le chemin de Gaza, mais pas n'importe lequel. Tu vas aller sur celui qui est désert. Qu'est-ce que Philippe a dû penser? Il a dû penser, mais pourquoi, Seigneur? C'est ridicule. Pourquoi est-ce que j'irai là? Réfléchissez, il venait d'échapper à une persécution immense en fuyant Jérusalem suite au martyr d'Étienne. Il venait d'arriver à Samarie où, semble-t-il, une porte semblait grande ouverte pour l'évangile. Des foules entières qui se convertissent. Et voilà qu'en plein succès, alors que son ministère est extrêmement fructueux, Dieu lui dit, va-t'en. Va-t'en, je ne te veux plus ici. Et tu vas aller sur ce chemin. Et voilà, tu sais quel chemin duquel chemin je te parle. Tu vas sur ce chemin qui est désert. Tu sais, ce chemin où il n'y a personne qui passe. Jamais. Hein? Et Philippe devait se dire, mais partir déjà, pourquoi maintenant, alors que j'ai cette porte ouverte ici, pourquoi? C'est absurde. Et en fait, l'expression qui est utilisée ici par l'ange quand il lui dit « va du côté du midi », en grec comme en français d'ailleurs, le même mot « midi », ça peut signifier le sud, comme c'est peut-être le cas semble-t-il, mais ou simplement aussi l'heure la plus chaude de la journée. Et les deux traductions sont possibles, donc on ne sait pas exactement ce qu'il lui dit. Mais si c'est cette deuxième traduction, c'est-à-dire que si l'ange est en train de lui dire « lève-toi et va à midi », sur le chemin qui est désert, c'est encore plus extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça rend l'ordre que Dieu donne à Philippe encore plus inhabituel, encore plus troublant. Il est en train de lui dire, va sur ce chemin désert au moment où il n'y aura personne à cause de la chaleur. Est-ce que ce n'est pas déconcertant? Pourtant, que fait Philippe? Il obéit. Verset 26, Philippe se leva et Philippe partit. Il y va. Alors, le désert dans la Bible, c'est toujours un lieu de mise à l'épreuve que Dieu emploie pour produire la persévérance chez le croyant. C'est-à-dire pour nous apprendre à lui obéir même, et peut-être surtout, quand nous ne comprenons pas. Dieu nous met à l'épreuve parfois, de plein de manières. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce soit lui qui envoie l'épreuve, que c'est lui qui envoie la maladie, ou les déceptions, les doutes, ou les tentations, c'est certainement pas lui, mais il s'en sert pour nous apprendre à lui faire confiance, à croire dans sa bonté, même quand on ne comprend pas. Et combien de fois est-ce que ça nous arrive de ne pas comprendre ce qu'il fait, ou de ne pas comprendre ce qu'il nous envoie, hein? Et vous voyez, si j'obéis à Dieu, que si je comprends ce qu'il fait, que si je comprends ce qu'il m'envoie et donc que je comprends comment moi je vais pouvoir en bénéficier à terme, c'est plus de l'obéissance. C'est-à-dire, Dieu n'est plus une fin en soi, c'est juste un moyen pour arriver à mes fins. C'est-à-dire, je le sers en fait pas pour lui, par amour pour lui, mais pour moi, pour ce que je vais en tirer moi. Si à chacun de vos « pourquoi » Dieu devait s'expliquer, c'est plus Dieu qui vous met à l'épreuve, c'est vous qui mettez Dieu à l'épreuve. Comme les Israélites dans le désert, par exemple. Vous pouvez penser à ça. Et c'est ça notre problème, vraiment. Quand nous sommes dans le désert, entre guillemets, dans toutes sortes de situations, on oublie qui est mis à l'épreuve par cette épreuve. C'est nous. Dans notre péché, et parce que c'est pas facile, évidemment,
Mais Dieu devient celui qui est mis à l'épreuve, celui qui est au banc des accusés, et nous, finalement, notre attitude, c'est celle d'un juge. Et on dit, ok, on va voir maintenant combien de temps il te faudra, Seigneur, pour faire ce que moi j'attends, ce qui me semble logique, et ce que moi j'exige pour que tu me sortes de cette situation. C.S. Lewis a une très belle phrase sur ce sujet que je vous avais cité il y a quelques mois, mais ça vaut la peine de la citer encore une fois. Il dit, dans l'Antiquité, l'homme s'approchait de Dieu comme un accusé se présente devant son juge. À notre époque, les rôles sont intervertis. C'est l'homme qui juge Dieu et Dieu qui est au banc des accusés. Puis il continue, il ironise un peu dans la suite. Il dit, l'homme est sans doute un juge clément. Hein? Si Dieu a quelque chose à dire pour sa défense, lorsqu'on lui fait grief d'être le Dieu qui permet la guerre, l'épreuve, la maladie, l'homme est prêt à écouter. Ah oui, il ironise. Il dit, le procès peut même se terminer par l'acquittement de Dieu. Et voilà comment il termine. Il dit, la chose significative est que l'homme occupe le siège du juge et Dieu le banc des accusés. Voilà, cette attitude, on la retrouve chez nous, je crois que c'est pas. On doit avouer, mais c'est pas l'attitude qu'on voit chez Philippe. Remarquez, Philippe dit, il nous a dit, Philippe se leva et il partit. Et alors vous dites peut-être, oui, mais bon, c'est un ange qui lui a dit ça. C'est-à-dire, il avait beau trouver l'ordre déconcertant, si face à un ange, on n'hésite pas, quoi, on ne doute pas, on ne demande pas pourquoi, on obéit. Si moi j'avais été à sa place, je pense que j'aurais obéi aussi. Seulement pensez à Abraham, pensez à Gédéon, pensez à Manoah. Qu'est-ce que tous ces personnages de l'Ancien Testament ont en commun? Vous savez? Ils ont tous rencontré un ange sans même s'en rendre compte. On peut aller voir Genèse 18, Juges chapitre 6, Juges chapitre 13, sauf erreur. Les trois ont rencontré un ange sans même s'en rendre compte. Et en fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit même que quelques-uns, et peut-être qu'il pense à ces trois hommes, mais il dit quelques-uns, en exerçant l'hospitalité, ont, à leur insu, logé des anges. Parce qu'un ange, c'est quoi? C'est un messager de Dieu, simplement. Et donc, vous voyez, je ne suis pas sûr que sur le moment, Philippe savait que c'était un ange. Moi, je pense plutôt qu'il ne le savait pas. Et que c'est en rétrospective, il a dû se dire, mais évidemment, c'est Dieu qui l'a envoyé, cet homme, pour m'envoyer sur ce chemin désert-là. Sur l'instant, c'était une mise à l'épreuve réelle. Et donc, Philippe s'inscrit dans une longue lignée de croyants que Dieu a envoyés au désert pour les former, pour pouvoir les utiliser ensuite. Pensez à Moïse. Combien d'années passées au désert? 40. 40 années passées au désert avant que Dieu puisse l'employer pour libérer le peuple d'Israël. Pensez à David. 20 années à fuir Saül, passer dans le désert. 20 années au moins entre le moment où il a été oint comme roi et le moment où il est vraiment monté sur le trône. Pensez à Jésus, plus que tous. Il a passé 40 jours dans le désert, mais vraiment, c'est toute sa vie qui était une mise à l'épreuve, jusqu'à Gethsémané où il a dit en quelque sorte, pourquoi? Pourquoi la croix? C'est ça la question finalement. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais que ta volonté soit faite. Il est le seul à être resté fidèle dans le désert, pour nous, pour que Dieu puisse pardonner cette prétention qu'on a à le mettre lui à l'épreuve finalement, et à le mettre sur le banc des accusés. Dieu n'a pas répondu au pourquoi de son fils. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a pas répondu à ces pourquoi, pour que nous puissions avoir une assurance certaine qu'il y a une réponse à tous nos pourquoi, même si Dieu ne nous la donne pas. Jésus a obéi même et surtout lorsqu'il ne comprenait pas, à Gethsémané, à la croix, pour que nous puissions être sauvés et pour que nous puissions servir Dieu et que Dieu nous forme à son service, comme il a formé Philippe ici au travers de cette première rencontre déconcertante, donc pour qu'il soit prêt ensuite à faire cette deuxième rencontre décisive. C'est la deuxième chose qu'on va voir. Une rencontre décisive. Pourquoi est-elle décisive? Eh bien, réfléchissez. Qui est cet homme que Philippe rencontre sur cette route déserte? Que savons-nous de lui? Il y a
quelques informations à son sujet qui sont très explicites dans le passage, et puis d'autres qui sont un peu plus implicites. Mais d'abord, il nous a dit explicitement quoi? Il nous a dit que c'est un eunuque éthiopien, c'est-à-dire, d'une part, c'est un noir d'Afrique, c'est un Africain. L'Éthiopie, c'était à l'époque, ça correspondait à cette région du Haut Nil, donc au sud de l'Égypte, ce qui correspond aujourd'hui au Soudan, c'est l'Afrique noire. Donc, en bref, il venait de loin, il venait de très loin. Il avait quitté son lointain royaume pour venir jusqu'à Jérusalem adorer dans le temple. Pourquoi? Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à faire ça? Eh bien, réfléchissez. D'autre part, c'est un eunuque. C'est-à-dire qu'il a été castré. C'est ce qui arrivait à tous les hauts fonctionnaires, plus ou moins, de l'époque, surtout dans un gouvernement matriarcal. C'est-à-dire où c'était des reines à la tête. Et c'est exactement son cas, puisqu'il nous a dit qu'il était le surintendant de tous les trésors de Candace. Candace, ce n'est pas un nom propre, c'est juste un titre comme César ou Pharaon, mais c'était le titre qu'on donnait aux reines d'Éthiopie. Donc il est au sommet, si vous voulez, il est au sommet de l'État, c'est une sorte de ministre des Finances, en quelque sorte. Il avait du pouvoir, il avait du prestige, il avait du succès. Mais pour ça, il a dû faire un sacrifice. Volontairement ou involontairement, évidemment, c'est pas ça, mais il y avait un prix à payer pour avoir ce pouvoir, ce prestige. Se faire castrer, hein, simplement. Et il faut bien comprendre ce sacrifice qu'il l'a fait à une époque différente et dans une culture différente, hein, à la nôtre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, comment est-ce qu'on trouve un sens de valeur et d'estime de soi? C'est via nos accomplissements personnels, nos succès personnels, parce qu'on a une vue du monde finalement assez individualiste. Et donc c'est ma carrière, c'est mon succès. À l'époque, on trouvait un sentiment de valeur, et j'ai même envie de dire une forme de salut, dans la famille, et dans le fait de passer son nom à ses enfants, de génération en génération. Donc voilà un homme qui a fait le sacrifice ultime pour obtenir le pouvoir, le prestige. Il a abandonné l'idée, si vous voulez, d'avoir une famille dans une culture complètement orientée autour de la famille. Pensez à la solitude. Pensez au doute, peut-être, qu'il devait avoir. Pourquoi est-ce qu'il a entrepris un si long voyage, des mois et des mois sur la route, sans doute? Pourquoi est-ce qu'il a entrepris un voyage si dangereux? Pourquoi est-ce qu'il a quitté son poste si prestigieux pour partir, quitte à même le laisser à la merci de personnes ambitieuses? Pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça? Il devait y avoir un vide immense dans son âme. Sinon, pourquoi est-ce qu'il se serait intéressé au Dieu de la Bible? Pourquoi est-ce qu'il se serait dit « Il doit y avoir quelque chose à Jérusalem pour moi » Seulement, voilà l'autre chose qu'on sait, et c'est beaucoup plus implicite dans le passage, mais on en est certain. Quand il est arrivé au temple de Jérusalem, ils ne l'ont pas laissé rentrer. Ils ne l'ont pas laissé rentrer après ce long trajet. Pourquoi? Parce que le temple était réglementé par la loi mosaïque. Alors, je sais que même pour nous chrétiens, on ne sait pas toujours quoi faire de ces lois, dans la loi mosaïque, ces règles qui définissent qui avait le droit d'entrer dans le temple, qui n'avait pas le droit, et toutes ces lois et ces règles. Par exemple, si vous aviez touché un cadavre, vous n'aviez plus le droit d'entrer dans le temple pendant une certaine période de temps. Ou si vous aviez de la moisissure chez vous, vous n'aviez pas le droit d'entrer dans le temple pendant un temps. Pourquoi ces règles? Et en fait, toutes ces règles étaient là pour faire passer un message, simplement. Et c'était là pour faire comprendre que Dieu est saint et que nous sommes pécheurs. Et que tu ne peux pas juste entrer comme ça dans la présence de Dieu. Tu dois être purifié. Quelque chose doit être fait. Le problème du péché doit être réglé dans ta vie. Et toutes ces règles, si vous voulez, toutes ces lois étaient là pour illustrer ça. Mais quelques règles interdisait définitivement à certaines personnes d'entrer, à vie. Certaines personnes étaient complètement exclues du temple. Et l'une de ces règles, c'était aucun eunuque n'a le droit d'entrer dans le temple. Jamais. Vous allez voir, c'est en Deutéronome 23. Aucun eunuque. Donc voilà cet homme qui s'est donné tant de peine, qui a fait tellement d'efforts pour être finalement exclu. Voilà qu'il a fait ce long voyage. Et quand il arrive à Jérusalem, on ne le laisse même pas entrer. Est-ce que vous imaginez un tout petit peu sa déception?
Pourquoi alors, sur le chemin du retour, étudie-t-il le livre d'Ésaïe? Pourquoi est-ce qu'il lit Ésaïe? Pourquoi est-ce qu'il le lit autant attentivement? Je parie que c'est pour cette raison. Quand vous savez ce qu'il est en train de lire, il est dans les chapitres 40 à 50 du livre d'Ésaïe, et c'est ce qu'on appelle, c'est des chapitres très spéciaux, on appelle ça les chants du serviteur. C'est les chants du serviteur. Et savez-vous qu'au chapitre 56 d'Ésaïe, qui n'est pas très loin du passage qu'il est en train de lire, hein, il est en train de lire le chapitre 53, et on pourrait dire que c'est sur la même page en fait, si vous imaginez le rouleau qui est posé sur ses genoux dans le chat. Savez-vous qu'au chapitre 56 d'Ésaïe, il aurait lu ceci, écoutez. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me met à part, à l'écart de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, je ne suis qu'un arbre sec. Car voici ce que l'Éternel déclare. Si un eunuque choisit de faire ce qui m'est agréable, s'il demeure ferme dans mon alliance, alors je lui réserverai à l'intérieur de mon temple un emplacement pour son nom. Ce sera pour lui mieux que des fils et des filles. Je rendrai son nom éternel. Rien ne l'effacera. Vous imaginez ça? Sa réaction quand il a lu ça, que l'eunuque ne dise pas « je ne suis qu'un arbre sec, je vais lui mettre un nom dans le temple, ce sera mieux pour lui que des fils et des filles. » Il devait être là, assis, en train de se dire « mais comment est-ce possible? Moi, je ne sais pas comment on peut avoir un nom autrement que par des fils et des filles, autrement qu'en le passant de génération en génération. C'est quoi ce nom éternel? Qu'est-ce que c'est? » Et voyez, en fait, il est en train de comprendre, il est en train d'apprendre, plutôt dans des termes qui correspondent à sa culture, qu'il y a un salut qui dépasse le pouvoir et le prestige personnel, qu'il y a un salut qui dépasse même le salut par la famille. Qu'est-ce que c'est? Et donc il lit, quand tout à coup, il réalise que dans toute cette partie de l'écriture, il y a cette figure étrange, énigmatique, du serviteur, que Dieu appelle mon serviteur. Et le serviteur souffre. Et il arrive à ce passage en Ésaïe 53. Est-ce que vous arrivez à voir maintenant pourquoi un eunuque lirait ce passage? Et ce passage spécifiquement. Relisez avec moi à partir du verset 32. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé. Et sa génération, qui la racontera? Ou dans d'autres traductions, qui parlera de ses descendants? Est-ce que vous comprenez? Il est en train de... Non, on passe assez rapidement sur ce verset, mais lui, c'est ça qui a dû sauter à ses yeux. Il est en train de lire, et voilà quelqu'un qui semble prêt à mourir, mais encore, quelqu'un qui semble prêt à devenir eunuque, ou l'équivalent d'un eunuque, qui parlera de sa descendance? Et en fait, dans la suite d'Ésaïe 53, il est dit... Qui parlera de sa descendance, car sa vie est supprimée de la terre. C'est ce qui est marqué ici. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et oui, juste au moment où il est assis dans son char et il pense, qui est-il? C'est qui ça? Voilà que Philippe arrive et lui dit, dis donc, t'as pas besoin d'aide pour comprendre ce que tu es en train de lire par hasard? Voilà pourquoi c'est une rencontre décisive. Pourquoi? Parce que l'eunuque lui demande au verset 34, il lui dit, mais je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et Philippe a pu le regarder en lui disant, oh oui, il parle de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de vraiment, vraiment, vraiment autre. Il parle de Jésus. Jésus a été exclu. Jésus est devenu péché pour les pécheurs. Jésus est devenu eunuque pour les eunuques. Il a été exclu. Ne vois-tu, c'est ça qu'il devait être en train de lui dire, Philippe, il devait être en train de lui dire, ne vois-tu pas que toutes ces lois mosaïques ne faisaient que pointer vers une réalité spirituelle? Nous sommes tous des eunuques. Vraiment. Nous sommes tous exclus de la présence de Dieu à cause de notre péché. Personne ne sert Dieu vraiment pour lui-même. Personne n'aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée parfaitement. Nous sommes tous exclus. Personne ne peut entrer. Mais Jésus a été exclu à la croix. Il a dit, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné, il a été exclu pour que nous soyons inclus. Son nom, à lui, a été supprimé de la terre pour que nous ayons un nom éternel. Voilà la bonne nouvelle qui a dû sauter aux yeux de cet homme. Alors, que pouvons-nous apprendre aujourd'hui de cette rencontre décisive entre Philippe et l'unique Éthiopien? Je crois que cette rencontre nous dit quelque chose du caractère inclusif de la foi chrétienne, et elle nous dit quelque chose de son caractère exclusif aussi, parce qu'elle est les deux. Le christianisme est inclusif et exclusif. Et si elle est les deux, c'est parce qu'elle est les deux. C'est-à-dire, si elle est inclusive, c'est parce qu'elle est exclusive. Vous allez comprendre pourquoi. Mais prenons d'abord le caractère inclusif de la foi chrétienne. Comparez juste Philippe et cet eunuque éthiopien. Est-ce que vous voyez à quel point ces hommes sont profondément différents l'un de l'autre? Philippe, ça devait être un homme juif de classe moyenne, assez banal. L'eunuque était différent sur le plan racial, c'était un noir. Il était différent sur le plan culturel. Il venait d'Éthiopie, c'était le bout du monde de l'époque, qui se limitait à la Méditerranée, en gros. C'était un barbare, si vous voulez, en fait, pour Philippe. Il est différent sur le plan racial, différent sur le plan culturel, différent sur le plan sexuel. Vous voyez à quel point ils sont différents l'un de l'autre? Et rappelez-vous toujours de cette prière que faisaient les hommes juifs à l'époque, cette prière quotidienne, malheureusement, de certains hommes juifs, mais, où ils disaient: je te loue, Éternel, de ne m'avoir fait ni femme, ni esclave, ni païen. C'était une prière de l'époque, donc je suis désolé, mesdames, mais c'est surtout sur le païen que j'ai envie d'insister. Vous ne vous approchiez pas de païen, c'était dégradant. Et on ne peut pas imaginer rencontre plus dégradante pour Philippe, aux yeux d'un juif en tout cas. Donc est-ce que vous comprenez, c'est une toute petite parenthèse, mais est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Dieu a dû l'envoyer d'abord au désert? Hein? Il fallait que, enfin, heureusement qu'il avait appris à obéir sans poser de questions, parce qu'il devait s'en poser des questions à ce moment-là. Quand Dieu lui a dit: écoute Philippe, tu vois le chair là-bas, je veux que tu t'approches et que tu ailles vers cet homme différent sur le plan racial, déviant sur le plan sexuel, et je veux que tu le rejoignes, et je veux que tu lui parles, et je veux que tu l'accompagnes même. Et on voit bien, c'est l'Esprit qui a dû lui le dire au verset 29. Regardez, c'est l'Esprit qui dit à Philippe: avance et rejoins ce char. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit quelque chose du désir profond de la part de Dieu que ces barrières tombent. Barrières raciales, culturelles, quelles qu'elles soient. J'en parlais en fait cette semaine avec quelques pasteurs d'une autre région, pas d'ici, mais qui... Il disait que depuis quelques mois, certains depuis quelques années même, doivent gérer les conséquences de la crise migratoire dans leur église, avec pas mal de réfugiés qui sont entrés dans l'église. Et ils m'ont dit, on a vu quelque chose qu'on n'aurait jamais soupçonné et qu'on pensait ne jamais voir dans l'église, de racisme dans l'église. L'Esprit veut que ces barrières tombent. L'Esprit est attristé. Même si, en particulier dans l'Église, si ces barrières demeurent. L'Évangile n'appartient pas à une culture plutôt qu'à une autre. Et je ne sais pas si vous arrivez à vous réaliser la puissance de cette affirmation, que l'Évangile n'appartient pas à une culture plutôt qu'à une autre. Est-ce que vous réalisez à quel point cette vérité biblique entre en fait en conflit direct avec la compréhension ordinaire qu'ont les gens du rapport entre la culture et la religion? Les gens qui sont autour de nous. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent ou qu'est-ce qu'ils diraient en général? Sans forcément le dire, en tout cas, qu'est-ce qu'ils penseraient la plupart du temps? C'est que finalement, la religion, c'est quoi? C'est juste une extension de la culture, c'est une invention de la culture. Pourquoi? Ils diraient parce que finalement, chaque culture a besoin d'unité, de solidarité, chaque culture a besoin de se retrouver autour d'un récit commun. Et c'est comme ça que sont apparues ces histoires, ces mythes religieux. Et de là la religion. Et donc il dirait chaque culture a sa religion, chaque religion appartient à sa culture. Et par exemple, donc les Européens et les Nord-Américains ont développé le christianisme, les Asiatiques ont développé l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Les cultures du Moyen-Orient ont développé l'islam. Et voilà, c'est tout ce que c'est finalement.
La religion, c'est un phénomène culturel. Alors, comment répondre à ça? Richard Bauckham, qui est un grand spécialiste du Nouveau Testament actuel, dit, il dit ceci, c'est vraiment intéressant, il dit, en fait, c'est vrai. Il dit, c'est vrai que la religion est juste une extension, juste une invention de la culture, sauf pour le christianisme. Pourquoi? Il dit, mais il suffit, en fait, de faire un constat empirique. Et il donne quelques chiffres et ils sont vraiment intéressants. Il dit 90% des musulmans vivent où? 90% des musulmans vivent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 88% des bouddhistes vivent en Asie de l'Est. 98% des hindous vivent en Inde. Donc, etc. Et donc il dit oui, bien sûr, ces cultures ont produit ces religions et c'est qu'une extension de leur culture. Mais il dit prenez le christianisme. Et il dit 23% des chrétiens sont en Europe, Europe de l'Est, Asie, Russie, je veux dire. 25% en Amérique centrale, Amérique du Sud. 22% en Afrique. 15% en Asie, ça c'est un chiffre qui n'arrête pas d'augmenter. 15% en Amérique du Nord. Et donc, Bauckham termine en disant, il dit, vous voyez, le christianisme est la seule religion majeure à s'être répandue ainsi. Il ne fait pas l'ombre, voilà ce qu'il dit, il ne fait pas l'ombre d'un doute que le christianisme présente une plus grande diversité culturelle que n'importe quelle autre religion, et cela nous dit quelque chose à son sujet. Hein? Ce caractère universel de la foi chrétienne, ça nous dit quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ça doit nous dire quelque chose. Donc voilà pour le caractère inclusif du christianisme. L'évangile est pour les Samaritains, on l'a vu il y a deux semaines, pour les Africains. On verra pour les Juifs, pour les Romains dans la suite du livre des Actes. Il n'y a pas plus inclusif que la foi chrétienne. Mais il n'y a pas plus exclusif non plus. À quoi est-ce qu'on le voit ici, le caractère exclusif du christianisme? Eh bien, regardez le verset 34 encore une fois. Et on peut passer assez rapidement dessus, nous, sans prêter attention à quel point c'est frappant, mais quand l'eunuque demande à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ?» En Ésaïe 53, qu'est-ce que ce texte signifie? C'est ça qu'il lui demande, en fait. Philippe ne répond pas, en bon français postmoderne, il ne lui répond pas, « Écoute, c'est à toi de recréer le sens du texte pour toi. » Il ne dit pas « C'est à toi de voir ce qui est juste ou faux, c'est à toi de décider ce que ce texte veut dire. » Non, il ne lui dit pas ça, il lui dit « Tu ne sais pas ce que ça veut dire, moi je sais. Voilà la vérité, c'est Jésus. » C'est Jésus la clé, c'est Jésus le principe interprétatif. C'est Jésus qui donne un sens à toute la Bible. Et il lui annonce l'évangile. Et ensuite, regardez encore, quand l'eunuque demande, à peine plus loin, « Est-ce que je ne devrais pas me faire baptiser ?» Qu'est-ce que Philippe répond? Il répond « Oui, bien sûr, fais-toi baptiser. » Parce que qu'est-ce que le baptême? De quoi est-ce que c'est l'image? C'est l'image de la conversion. Le baptême signifie mon ancienne manière de vivre est terminée, une nouvelle vie commence, je ne crois plus ça, je ne fais plus ça, je crois ceci maintenant. Il s'est converti, cet homme. Et vous voyez, Philippe ne lui dit pas juste, quand il lui demande est-ce que je dois me faire baptiser, il ne lui dit pas, écoute, c'est à toi de voir comment tu veux trouver Dieu à ta manière, comment tu veux servir Dieu à ta manière, à la manière qui est la plus authentique pour toi. Non. Il ne lui dit pas ça, il lui dit « Crois en Jésus de tout ton cœur et sois baptisé. » De tout ton cœur, c'est tout ou rien. Il n'y a pas plus exclusif que ça. Donc il n'y a pas plus inclusif, il n'y a pas plus exclusif. C'est les deux. Et je termine ce deuxième point là-dessus, le dernier point est beaucoup plus court, mais si le christianisme est les deux, c'est parce qu'il est les deux. S'il est aussi inclusif pour tous, c'est parce qu'il est exclusif. Pourquoi? C'est assez simple en fait, c'est pas très compliqué comme idée. Si le salut est vraiment pour tous, qui que nous soyons, quel que soit notre passé, d'aussi loin que nous venons, aussi bas que nous soyons tombés, si c'est vraiment pour tous, c'est parce que c'est en Jésus seul. Mais si le salut dépendait de nos efforts religieux, de nos efforts moraux, il ne serait pas pour tous. Il serait pour les meilleurs d'entre nous, les plus religieux, les plus disciplinés. Si le salut dépendait de nos mérites, de notre prestige, il ne serait pas pour tous. Il serait pour les plus grands d'entre nous, les plus puissants. Seulement si le salut dépend de Dieu
et de Dieu seul en Christ par pure grâce seulement, alors le salut peut-il être pour tous, vraiment pour tous, tous ceux qui se repentent et qui croient. Donc voilà ce que nous enseigne cette rencontre décisive avec l'eunuque éthiopien. Et j'aimerais juste conclure en disant deux mots sur la troisième et dernière rencontre de Philippe, qui est une rencontre divine avec l'Esprit du Seigneur Jésus. C'est les versets 39 à 40, et on va les relire ensemble. Quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, à 30 km au nord, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Il y a juste deux petits détails qui nous semblent insignifiants ici, dans ces derniers versets, deux détails très significatifs en fait, à mon sens, qui nous donnent juste le bon équilibre pour servir Dieu, finalement, dans la bonne attitude au quotidien dans ce monde. D'abord, premier détail, à quel endroit précis Philippe a-t-il terminé son voyage ? À Césarée. Hein, Césarée. Et c'est frappant. C'est frappant pourquoi ? Parce que Philippe est encore mentionné une fois dans le livre des Actes. Une seule et dernière fois, en Actes 21. Une vingtaine d'années se sont écoulées. Et devinez où se trouve Philippe 20 ans plus tard ? À Césarée. Il n'a pas bougé. Il n'a plus bougé, en tout cas, semble-t-il, après toutes ses aventures en Samarie, à Gaza, etc. Et en fait, c'est Paul qui lui rend visite alors qu'il est en route vers Jérusalem. Et Philippe habite à Césarée avec sa famille. Il nous a dit qu'il a quatre filles qui ne sont pas encore mariées. On imagine un peu la scène. Hein. Pourquoi est-ce significatif? Je crois que ça souligne juste la souveraineté de Dieu dans toute cette histoire. Il faudrait la relire, en fait, et voir toutes les coïncidences, entre guillemets, du récit. C'est presque drôle. Voilà cet ange qui dit à Philippe, va sur le chemin désert, et voici qu'un Éthiopien arrive, de nulle part. Et l'Esprit dit à Philippe, va vers cet Éthiopien, et voici qu'il est en train de lire Ésaïe, et Ésaïe 53 en plus. Et puis il discute, et il lui annonce l'évangile, et voici qu'il trouve un plan d'eau pour le baptiser. Et tant de coïncidences, entre guillemets, qui nous montrent juste, c'est Dieu qui a tout planifié, c'est Dieu qui a tout dirigé. C'est lui le grand missionnaire du livre des Actes. Alors soyez encouragés par ça. Dieu nous utilise en son temps et à sa manière. Parfois c'est que pour un temps. On passe par un moment où tout d'un coup Dieu semble agir de façon extraordinaire dans notre vie et autour de nous, et puis plus rien, semble-t-il. Comme ça a dû être le cas pour Philippe, après tellement d'aventures, se retrouver, on pourrait dire, passer 20 ans à Césarée, à s'occuper de sa famille en fait. Et dans ces moments de calme, ça peut être des moments de désert parfois plutôt, on peut se demander, mais pourquoi? Comment est-ce que l'œuvre de Dieu pourrait-elle avancer sans moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse de plus, hein? Soyez rassurés par rapport à ça. Dieu est souverain, même si nous ne voyons rien, lui continue d'agir. Il est l'évangéliste, il est le grand missionnaire. Mais il y a un autre détail qu'il ne faut pas rater. À quel moment précis l'Esprit a-t-il enlevé Philippe pour l'amener à 30 km plus loin, à Azote? Quand exactement? Il nous a dit, c'est quand il fut remonté hors de l'eau, à ce moment précis, ni avant ni après. Philippe a dû rester jusque-là, c'était nécessaire. Pourquoi est-ce que c'est significatif? Simplement parce que si on garde juste la première vérité en tête, que Dieu est souverain absolument, on peut finir par penser que notre travail pour le Seigneur ne compte pas, qu'il est inutile, en fait. Et on trouve un exemple classique de cette façon de penser dans l'histoire de William Carey, qui était un des pionniers de la mission moderne. Il vivait à la fin du 18e, début du 19e siècle, à une époque où les chrétiens n'envoyaient pas de missionnaires. Ça ne se faisait pas. On raconte que lors d'une réunion pastorale au cours de laquelle William Carey a fait part de ce désir de fonder une société missionnaire, d'aller en Inde, c'est lui qui a été ce missionnaire aux Indes, on raconte que le président de cette réunion s'est levé à un moment et lui a dit « Asseyez-vous, jeune homme, lorsqu'il plaira à Dieu de convertir les païens, il le fera sans votre aide. »
clairement, cet homme n'avait pas lu les Actes. Clairement, il n'avait pas lu l'histoire de Philippe. L'eunuque éthiopien avait besoin de Philippe. Il avait besoin de quelqu'un pour lui annoncer l'évangile. Il avait besoin de quelqu'un pour le baptiser. C'est quand ils furent remontés hors de l'eau que Philippe a disparu. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui bâtit son église, c'est Dieu qui fait triompher son évangile, certes, mais il le fait par des moyens. Il se sert de nous. Alors saisissons les occasions. Attendons-les en tout cas. Prions pour que Dieu suscite des occasions et mette des gens sur notre chemin. Comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux vérités? Que Dieu est souverain absolument sur toutes les circonstances, sur les gens qu'on va rencontrer, les situations, et puis le fait qu'on est responsable de les chercher. Je crois qu'on doit même pas essayer de les réconcilier en fait, ces deux réalités. Lorsqu'on demandait à Spurgeon, ce grand pasteur, comment il accordait ces deux vérités, il avait cette réponse que j'aime beaucoup, il disait « je n'essaye jamais de réconcilier des amis ». C'est ça. Alors voilà, je crois que Dieu nous donne vraiment d'être juste confiant dans sa souveraineté, confiant dans son amour, que même lorsqu'on ne comprend pas ce qu'il nous demande, même lorsqu'on ne comprend pas ce qu'il nous envoie, soyons confiants et saisissons en même temps notre responsabilité d'annoncer Christ à ceux qu'il met sur notre chemin. Par sa grâce. Amen.